Après 42 ans passés dans une grange, l'Austinilay immatriculé NOJ393 sera vendu aux enchères le 1er décembre en Angleterre. Si l'information est révélée par le magazine LVA, c'est qu'il s'agit de l'Austin piloté par Lance McLean aux 24 heures du Mans de 1955 et qui fut impliqué dans l'accident qui causa 80 morts. On peut voir sur ces images qu'après avoir été percuté par la Mercedes de Pierre Levegue, qui explose dans la foule, Lance McLean part en travers de la piste avant de s'extraire de la voiture. L'Austin, qui portait alors le numéro 26, a été consigné par la justice avant d'être réparé par les ateliers Hillet. Elle fera encore quelques courses avant d'être acquise en 1969 par son actuel propriétaire, qui va la laisser dormir 42 ans à l'abri. Elle sera jeudi sous le marteau du commissaire-priseur pour une mise à prix estimée entre 550 000 et 600 000 euros.